Voilà, Mathieu. Une grosse envie de Mathieu, est-ce que ça va suffire ? Kamikawa nous a montré des qualités techniques à Tokyo remarquables. Voilà. Entre autres là-dessus. C'est là-dessus d'ailleurs qu'il avait sur Isagurma, Okurashi Barai, Sasae. Il vient de lui couper le tibia. Là, ce serait plutôt Arai Tsuri Komiyashi. Exactement. Ah, et le jeu de Mathieu. On est à droite-droite. Et là, il aime mieux, hein, Mathieu. Voilà, mais il y a du mouvement en face. Voilà, il va falloir encore une fois que Mathieu fasse un exploit de sa science tactique. Allez, attention, parce que Mathieu, il a un retournement bras-tête au sol. Attention, on peut pas te mettre dessous, Mathieu, quand même. Il était pas loin. Hein. Il était pas loin de le retourner. À 30 secondes. Voilà, il a ce retournement là qu'il fait très très bien. Et il aboutit. Voilà, mais Kamikawa qui n'a pas été sanctionné sur son attitude exagérément défensive. Voilà, c'est ça, c'est bien. Voilà, encore une attaque sans les mains. Encore une attaque sans les mains du japonais. Je retiens mon souffle. Le japonais qui se méfie du représentant français. Il a l'air peu réactif, Kamikawa, mais attention à l'eau qui dort. Exactement. Là, ça fait, si Mathieu est capable de garder un rythme comme ça et de lui pourrir la manche tout le long. Ouais, on laisse entrevoir une petite fenêtre de possibilités. C'est plus d'une minute de couler. Ça va être dur de tenir ce rythme là. Attention, là 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 là. Ça paraît nonchalant comme attaque et pourtant c'était quand même relativement précis. Hein. Exactement. Heureusement qu'il avait lâché la manche. Ouais, et Mathieu qui tombe fortement sur l'épaule. Heureusement, il se relève sans dommage. Ah là, ça, il aime. C'est bizarre, hein? Ouais, c'est un combat bizarre. Il paraît ouais, mou, mais... il paraît mou Kamikawa. C'est pas pour ça que ça sera pas efficace ou que c'est pas efficace, mais. Il a très bonne. Ça paraît mou. Voilà, c'est ça, il a une... Un coup de vache après le maté. Fait que le public siffle le japonais. Le japonais qui a fait semblant de se relâcher et puis qui a donné un... Brésil-Corée 2-2. Ça se joue en ce moment sur entre Silva et Kim. Et le Brésilien Silva mène par un yuko à 0, il reste 3 minutes. Donc c'est indécis. Jusqu'à la fin. Voilà, on s'est mis du coton dans le nez. Je sens que ça va être crispant ce combat jusqu'au bout. Allez Mathieu. Allez Mathieu. Allez, attention à ça, faut le mettre en mouvement. Le problème c'est qu'il y a quand même du répondant physique à côté. Voilà, c'est bien essayé. Le haut Chigari, le clan français qui demande une moulinette contre le japonais. Moulinette qui n'est pas donnée, toujours pas donnée par les arbitres. Attention.
pour le coup de sabot qu'il a mis. La mule japonaise. Ça, il aime, Oshii, comme ça. Attention. Oh là là, c'est bizarre ce combat là avec Amikawa, c'est très bizarre. Ouais, c'est ça. Je sens que ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. C'est dangereux des deux côtés. En même temps, on peut pas dire que Mathieu fasse beaucoup de judo, tout ça, donc je sais pas. Non, il le fait à l'énergie ce combat. Ouais. Mais pour le moment, toute l'énergie qu'il dépense. Il ne veut pas se laisser fixer, il a raison d'ailleurs. Hein, mais bon, Kamikawa, toujours, il aime ça. Hein, c'est ce qu'il avait fait à Teddy. Il n'avait pas pris une moulinette du coup d'ailleurs. Ouais, ça, il se tient très droit. Et on avait trouvé ça bizarre. Regarde, c'est bizarre. On dirait qu'ils sont sous anesthésie tous les deux. Hein. Ouais. Attention, retournement. Ok, alors là, tout le monde ici réclame une moulinette contre le japonais. Shinohara qui s'énerve pas plus que ça, qui récompenserait. Je trouve ça bizarre. Voilà, c'est ça Mathieu, garde-le là, garde-le, tire-le, bouge-le. Attention. Attention, coup de patte du japonais. Yoko. Non. Non. Ok, tant mieux. Attention la clé de bras. Ah bah non, pas là-dessus quand même. Ah non, non. Ok. Il était pris en wakigatame, son newaza. Énorme combat. Très incertain. Ouais, ça bouge dans les tribunes. Laissez-nous les tribunes en place. Hein. J'ai l'impression d'être. Allez, Mathieu. Qu'il y avait un orage. Allez. Un orage à l'intérieur de Bercy. Attention là. Oui, et il le fait. Yuko à 1 minute 10 de la fin pour Mathieu Bataille. Attention, il va travailler les Waza. Allez, faut gagner du temps. Faut gagner du temps, toutes les secondes maintenant vont être importantes. Parce que il reste quand même une minute de combat. Allez, à tenir. Tout 59 secondes. C'est magnifique. C'est pas Mathieu Bataille, c'est Mathieu Laguerre. C'est magnifique, il n'était pas loin de lui marquer Wazari. Oh, on voit la délégation française surexcitée, Teddy. Riner en premier. Voilà, tout le monde sait que c'est à l'énergie. C'est à l'énergie que Mathieu doit tenir. Oh. Si Kamikawa perd ce combat, je vois tous les Japonais qui sont debout. La grosse émotion. Allez Mathieu, il reste une minute. Mais enfin, on peut pas dire qu'on craint le rythme du japonais. Il paraît complètement. Là, par contre, on va voir s'il veut réagir. Ouais, attention, Mathieu, quand même. On aimerait mieux qu'il réagisse pas, d'ailleurs. C'est ça. Allez, Mathieu, lâche pas l'affaire. Reste là, c'est ça, c'est bien. Bon, c'est un peu limite, voilà, quand même. Allez. Encore 10 secondes de passer, ça fait rien. Maintenant, c'est juste à l'envie. Est-ce que le japonais va avoir la capacité à réagir? Voilà, Mathieu, tiens-le à distance. Allez. Attention, on le laisse pas danser. Ouais. Il réagit pas. Voilà, il reste 30 secondes. 30 secondes. 30 secondes. Et il demande à la foule. Il arrange la foule. Il m'a semblé voir le juge. Quel gladiateur. Ah. Allez Mathieu. Encore. Allez, faut tenir. 28 secondes. Faut tenir, faut pas tomber. Voilà, 23 secondes. Kamikawa, il a l'air bien esquinté aussi. 23 secondes Mathieu à tenir. Allez, te laisse pas enfermer. Allez, faut tourner un peu, bouge un peu. Voilà, c'est ça. Continue. 15 secondes. Faut pas craquer. Voilà, le japonais qui sort. Voilà, c'est magnifique. 11 secondes. C'est fini. Non, 11 secondes, pardon. Oh, je me lève, je n'en peux plus.
Allez, il faut déclencher le chrono dès le Hajime. C'est un dingue. Oh, et encore une fois, après le maté. Alors là, c'est exagéré. C'est exagéré. Qui harangue la foule. Le japonais l'a projeté après le maté, là. Voilà, vous voyez. Ouais, mais il l'a pas fait exprès. Il est dans la continuité de son truc. On ne va pas lui en vouloir. De toute façon, c'est pas grave. Voilà, c'est fait. La France est en finale. La France est en finale. Bravo, Mathieu. Oh, le dingue. Il a sorti son championnat. Il a anesthésié. Il a anesthésié Kamikawa. Tout le monde est debout. Une opération qui paraissait presque impossible. Sur le papier, ils l'ont fait. Fantastique. Voilà. Les Français, les Françaises en finale de ces championnats du monde à Bercy. Tout Paris-Bercy est debout. Quelle merveille. D'applaudir le courage, la volonté de Mathieu Bataille qui s'est fait mal. Il est allé au bout, vraiment au bout. Oh là 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 là. Voilà, avec ses camarades. C'est la soupe à la grimace chez les Japonais. Regardez cet esprit d'équipe. Et c'est très très bon. C'est du délire.